Et yo tout le monde, c'est Anthony. Alors je se retrouve pour la suite de Metro Exodus, c'est parti. Du coup on s'était arrêté là, au combat. Ouais, en plein combat. Du coup il va falloir que je récupère aussi toutes mes flèches, hein, parce que c'est pas vraiment leurs flèches à eux. Putain mais je suis nul. C'est pas mon arme l'arbalète, hein. Non, là je l'avais. Je l'avais touché en pleine tête. Oh, j'ai pratiquement même plus de balles. Faut que je monte en haut. Mais comment je monte? Ah, par là. Non, par contre, toi là-bas, tu vas mourir. Du coup, y a-t-il un truc? Non? Y a rien? C'est très très vide. Ok. Serait pas de rendre mes flèches, s'il vous plaît. J'en ai vraiment besoin. Genre pour de vrai. Sinon, je pourrais rien faire avec. Est-ce qu'il y a vraiment des gens en haut? Vraiment, j'ai envie de savoir. Ah ouais, j'affirme. Il y a un mec. J'aurais pas dû le tuer? J'aurais pas dû le tuer. Je pense qu'elle voulait pas qu'on le tue. Aïe. Au pire, de toute façon, il a essayé de me tuer, quoi. En fait, j'ai pas compris. Il veut que je fasse quoi, là? Ok. J'arrête de tirer de loin. Ça m'énerve. Mais... quel intrus! Oh, je vais me donner ça tout de suite. Ah, du coup, je peux pas avoir... ah, si. Je croyais que je pouvais pas avoir mes deux armes. Non, par contre, toi. Je t'ai pas dit... d'abuser. Ah, quoi? Voilà. Mais l'intrus il est où? Là-bas? Non, je vois pas de quoi tu parles. Y a pas d'intrus ici. Par contre, c'est moi qui deviens fou, j'entends des petits gens pleurer. C'est tout ce que vous savez faire, vous autres. Non mais ferme ta gueule. C'est fou ça. Vous avez pas fermé vos gueules, vous. Ah vas-y, tire, hein, y a pas de couilles. J'aurais tiré mon pote, j'aurais rien compris.
C'est vrai, avec plus de chargeurs. Tac. La boussole installée sur votre pro de bras qui est toujours la direction sûre. Ouais, je sais ça. Il faut partir d'ici maintenant. Ah, vous abusez les gars. Je suis venu. Enfin, s'ils me disent de venir ici juste pour choper ça, pour le mec que soit tu tues ou soit tu tues pas. Bon bah qu'on repartir, hein. On les laisse tranquille. Bon, c'est obligé, il a dû avoir une carte quelque part. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, ils m'ont dit de partir. Donc bon, je vais partir et les laisser. J'ai entendu un bruit qui me plaît pas trop là. J'espère, c'est pas ce que je pense. Bon, c'est ce que je pense. Mais j'espère que juste qu'il va pas m'attaquer. Non, c'est chaud s'il m'attaque. Non, t'es grand mort le serpent, il va me contaminer. Ah non, je me sens étourdi du coup, putain. Regardez-moi cette petite bestiole de merde. Je pense qu'on peut continuer, mais... Ah, vas-y. Que ça rase, hein, je rentre. J'ai envie de savoir ce qu'il y a là, moi, à l'intérieur. Bon, pour l'instant, il y a juste une petite bestiole. Rien de plus. Il y a des tueurs aussi. Et un livre. Ah ouais. Oh, il y en avait beaucoup. Les gars, je suis à la ferme Tampa. Je suis avec une trentaine de bandits. Je les guide depuis la route. Je devrais pouvoir les retenir une demi-heure. Je perds trop de sang. Je revois le petit avec ce message. C'était le seul moyen de faire partir. Bonne chance. Merci. Bon, ils ont dû partir les bungees. Parce que pour l'instant, j'ai pas vu de bungee. Et voilà. Yes, je suis entouré de bandits. Bon, lui, je vais pouvoir le tuer. Genre facilement. Normalement. S'il se retourne pas. Voilà. Toi, tu te serais pas retourné comme ça, je t'aurais pas buté.
Ils vont croire que c'est les pirates. Donc du coup moi je me mets bien hein. Alors par là-bas. Moi, mon but, c'est de laisser ces petits personnages-là tranquilles et de faire ma vie. Ouais. Ah, il fallait pas être là au mauvais moment. Tu vois, eux, je peux les tuer. Bon, d'une merde. C'est ici que je dois aller, non? Ouais. À l'église. Comme prévu. Puis on l'a vu d'ici l'église. Mais bon. S'approche de plus en plus. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Tête de ma mère, il va me voir. Tu vas voir. Ah, il m'a vu. Merci. De ne pas m'avoir vu. Qu'une balle! Il faut qu'une balle! Oh non, il faut encore monter! Bon, une bande de cons, de toute façon vous êtes cons, donc je vois pas ce que ça change. Hein. Vous êtes des bandits. Bandits, c'est les pires. Rentre et oublie-moi. Il faut vraiment esquiver tous ces petits trucs là. Je tente de le tuer lui. Si je tente. J'ai tenté. Ok, de toute façon, c'est pas par là. Faut que je monte. Putain, les arbres ont duré des grosses araignées géantes. Alors que pas du tout. Mais voilà arrivé. Destination. Passer sur les côtés, le milieu pour moi c'est très risqué. Je suis parti voir le professeur. Je sais pas du tout pourquoi je suis là.
Mais bon. Vas-y quoi, hein. On n'a pas le choix. Yes. Il manquait plus que ce soit lui. Bonjour monsieur l'ours. Écoute, je veux juste passer. Non, non. Ça va tirer les autres. Donc bon, faut mieux ne pas tirer quoi. Ah, ça monte de plus proche. Quoi? J'ai pris autant de dégâts là? Pas grave. Non. Attends. Tu vois pas, c'est... ouais, bon, j'espère que je peux faire demi-tour. Je me suis bloqué. Ou peut-être pas, attends. Si j'affirme, je me suis bloqué. Parce qu'en fait, je suis allé au mauvais endroit. Je pensais qu'il fallait tomber. Putain. Et non, en fait, il fallait pas du tout faire ça. Ah, je me sens débile. Là, je fais demi-tour comme si rien ne s'était passé. En fait, il fallait que je monte en haut, non? Et s'il y a des escaliers là qui fait monter en haut, y a-t-il un moyen? Attends, c'est obligé, il y a un moyen. Il y a zéro moyen de remonter sur ça là. Bon. C'est ce que je vais faire. Je vais me suicider. Voilà. J'ai pas eu le choix, je suis bloqué. Et c'était pas du tout par là qu'il fallait aller. Putain. J'ai le seum, je suis obligé de me suicider pour ça. Oh non. On peut le dire que je suis une merde. Parce que j'ai cru qu'il fallait passer par là, moi, mais non, il fallait monter. Là, on peut dire vraiment que je suis une grosse merde. Putain. Bon, allez, c'est pas grave. On peut recommencer. Dis-moi pas. Non. Non, 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 non. Il y a toujours une autre solution. C'est obligé. Non, je vais mourir là. Eh oui. Il y a une autre solution, c'est pas possible. Pourquoi je respawn ici? Alors qu'il faut monter en haut. Et je peux même plus faire demi-tour. Mais c'est obligé, il y a un moyen de faire demi-tour. Je vais chercher, mais il y a un moyen.
C'est sûr, même à 100%, hein. Ça serait débile. Je cherchais pour faire un demi-tour, mais normalement il y a un moyen. Hop, je respawn ici. Je descends par là, par là. Là, je suis sous une moille, il y a le cimetière. On est ok sur ça. Mais bon. C'est pas ici qu'il faut aller. Tac. On va descendre par là. Allez, vas-y. Si on va passer par là, on va monter. Sans se faire repérer, ça serait bien. Non, c'est un pendu, ça. Non, moi je peux remonter. Oui, c'est bon. C'est bien par là que je... Ouais, c'est par là. Let's go. On a fait un grand demi-tour. Bon, maintenant je veux pas me faire avoir. Comme un débile. Plus il y a l'ours là, quelque part. Il est là-bas. À côté de l'échelle. Non. Pas du tout. Où est l'ours? Il n'y a pas l'ours? Il a dû partir. Tant mieux, hein. Parce que tu vas me dire, j'avais la flemme de le tuer. J'aurais tiré, ils ont fait... Oh, il y a quelqu'un qui tire. C'est bizarre. Si on, je t'entends, mais je peux pas parler. Je peux parler, mais j'ai la flemme. Quand je dis je peux parler, attention, c'est pas. Voilà. Ça c'est bien ça. Tac. Stop, vagabond. Comment on se retrouve? Je parie que tu as oublié qui t'a sorti de l'eau. Au fait, je m'appelle Olga. Je le sais. C'est toi qui as affronté le maître de la forêt? Impressionnant. Nos chasseurs l'évitent depuis des années. Ok. Désolé, professeur. Le verrou est totalement rouillé. Ton ami Alyosha est déjà au barrage. Selon lui, votre colonel n'attendra pas. Alors vous n'avez plus beaucoup de temps. Désolé de ne pas pouvoir t'accompagner. Pendant le conseil d'aujourd'hui, les pirates ont décidé d'attaquer votre train. Ils n'avaient même pas le droit de se réunir sans moi. Comme d'habitude, je dois régler la situation. Mais j'ai le temps de te donner quelques indications. Ok. Pour aller au barrage, ils te font un bateau. Les pirates gardent tous les bateaux dans le marais. Ils sont du genre égoïste. Mais c'est pas une raison pour passer à l'attaque. Personne ne veut que ça tourne au bain de sang. Alors reste discret. Dirige-toi vers la barricade. Descends en direction du marais et trouve le quai. C'est là que j'ai pris le bateau avec Alyosha.
Que le professeur me pardonne. Il en reste quelques-uns, mais sois prudent. Bon, prends ton professeur. Sois prudent. Et ne me fais pas regretter de vous avoir aidé. Passe le bonjour à Alyosha. Je vais rester un moment et m'occuper de la tombe du professeur. Mais... il est mort, ton professeur. Je comprends pas. Bah non, si l'autre il m'attend pas, je vais pas me détendre. Hein. Quand le maître s'est installé dans les alentours, ils ont arrêté de venir ici. Mais ils n'ont pas oublié. Le professeur nous a élevés. Il nous a appris à survivre dans la forêt. Ouais, bon. Ok, ok, ok. Ah, bah, il y avait une échelle là. Il faut que j'aille. Voilà. Ah ben, sérieux. Ok. Bon, j'ai plus besoin de faire le grand tour. Faut que je chope un bateau. Je chope un bateau. Et que je les rejoigne. Quelque part vers les trains. Hein, qui doivent se situer là-bas. Je sais pas où ils carrent leur train. Mais il faut que je chope un bateau. Bon, si le sang doit couler, ben il coulera. Pas très très gentil, mais voilà quoi. Pas comme si j'avais vraiment le choix. Ah, j'ai trouvé un feu de camp. Ok. Ok, alors leur bateau. Leur petit bateau. Ah ah. Je vois pas de bateau. Un camion, ok. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, c'est un bateau. Il nous faut un bateau pour se barrer d'ici. Quand j'aurai ce bateau, on partira. Ah ok, ils sont là. Ils sont là, les petits filous. Alors... Bon. Ok, bon. J'ai un petit problème parce qu'en fait, dans les trucs, je sais pas du tout où je vais. Le bateau est situé là-bas. Je crois que j'ai vu un truc rouge. En fait, c'est de l'eau, mais pas trop profonde.
Ah, là oui. Voilà. Putain, mais... Pff, voilà, ils m'ont étourdi, ce putain de serpent de merde. Du coup, il faut que je rentre dans leur truc. Sérieux? Ouais, bon. C'est trop gentil. Bon, le sang va devoir couler. Désolé. Faire plus simple. Tac. C'est plus simple comme ça. Là, j'espère que tu vas monter sur le bateau. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'il fallait. Oula, ils font des trucs chelous ici. Voilà. N'en parle plus. C'est cool parce qu'il commence à faire jour. Le bateau il est juste là. Mais il m'a jeté quoi? Non, il m'a jeté quoi? Tibop, il faut tout recommencer. Non, il m'a jeté quoi? J'ai pas vu qu'il avait un truc spécial, qu'il faisait trop mal. Oh non, j'ai le seum. Vraiment, j'ai le seum. J'ai un gros seum. C'est abusé. Oh putain, il faut vraiment tout recommencer. Bon, attends. On va éviter de se faire étourdir comme ça. Tac, tac. On rentre là. Fais ce qu'il faut faire. Tac. On te tue. Toi, on te loupe. Voilà. Lui là-bas là. Tac.
Vous êtes pas sérieux, les gars. Voilà. Tu dégages. Désolé. Je suis obligé. Je le fais pas, vous me tuez. Oh putain. Mais les gars, mais c'est pas possible, c'est quoi? Pourquoi j'ai la malchance? Voilà. Je vais quand même monter sur le bateau normalement. Voilà. Comme prévu. Faire le même chemin que tout à l'heure. J'ai pas vu toi tout à l'heure. J'en ai vu un là, mais pas là. Non, je suis tombé dans l'eau, mais quel couillon. Je suis où là? Oh merde, chier. Je suis là où je devrais pas être. Ça fait plaisir. Ok. Mais vous allez tous crever. C'est lui le puissant là, non? Ouais, je crois que c'était lui. Oh, attends. Il y a un bon truc lui. Le son a dû coller. Désolé. Bon, c'est pas grave. Tant que j'ai mon bateau. Il est là mon bateau. Mais d'abord je suis quand même allé fouiller. Là. Bon, regarde. C'est encore moi Lyoda. En parlant de fou, l'amiral et son équipe se sont posés dans la vieille série. Incroyable, non? Il a dit qu'au lieu de rester planté là à attendre que les mutants débarquent, il va abattre dans l'eau. Ils sont tous dingues, mais ils sont prêts à prendre tous les risques pour prendre la vie des autres. Un peu plus sûr, et je n'ai pas réussi à les dissuader. Et tu pensais que j'abandonnerais ces gens? Désolé, je ne peux pas encore. Bonne chance à vous tous. Ton Alex. Ok. Ok, ok. Bon, du coup, je vais aller choper ce bateau. Comme prévu. Ils sont moins où, eux? J'ai fait des morts ici. Hein. Voilà. Allez, go partir. Ah, mais il faut que j'ouvre la porte. Attends-moi. J'ouvre la porte.
Du coup, c'est où pour la porte? C'est là, non? C'est pas ici? Ah ben non, c'est là. Je suis passé devant en plus. Ah non, pas du tout. Si en fait. Voilà, allez. Let's go. Go, retournez au rail. Yes. C'est bien là qu'il faut aller. Oui, j'affirme. Faut que j'aille par là-bas. Sans me faire buter. Mais je peux pas juste passer par là en fait. C'est même pas du tout par là en fait. Marche arrière. Je vais dans un truc, mon pote. Je sais même pas où je vais. Genre passer, je pense pas parce que moi j'ai vu un petit tronc. Mais je peux vraiment pas passer, vraiment passer par là. Chaud. Oh bah ok, on va passer par là du coup. C'est ce qu'ils veulent. Ah, c'est pas ce que je me disais, je peux pas faire plus. Ouais. Oui. Ok. Donc je peux pas aller les rejoindre pour l'instant. Genre maintenant. Parce qu'il y a un truc qui me bloque. J'ai trouvé un moyen de sortir de ce marais et de rejoindre la route maintenant au barrage. D'abord. Abandonné. Ouais. Ok. Bon, en tout cas les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.